As thousands take to the streets of Madrid against 26% unemployment, yet more job and salary cuts, or protesters in Greece fighting against new austerity measures from the Troika of international creditors, Brussels is spending over 10 million euros for none other than hosting US President Barack Obama's meetings with EU officials and NATO. Barack Obama took part in a major nuclear security summit in the Netherlands and now uh, came to Brussels accompanied by a 900 strong entourage, 45 vehicles, and three cargo planes. Now, Brussels has introduced unprecedented safety measures, raising the security level in the city from three to four maximum points. The whole block around Mr. Obama's hotel uh, will be closed for traffic and pedestrians. 350 police and military personnel have been deployed, and also 30 armored vehicles as well to escort uh, the US leader, while all the sewer hatches along his route have been sealed shut usually a normal eu summit costs brussels around 500,000 euros, but this particular uh, visit is uh, costing over 20 times more than that. but it's not only european taxpayers who have to cough up the cash. Uh, barack obama is officially the most traveling president in the history of the country, and this latest eu tour alone is costing us taxpayers around $6.5 million. <laughs> Salut à tous, bienvenue pour ce 58e numéro des infos dont on parle peu. Alors Barack Obama, on va en reparler tout de suite après le sommaire. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Alors dans le sommaire de ce numéro, on va parler des infos internationales en revenant bien évidemment sur l'Ukraine, la Russie et l'Occident. On parlera ensuite du, de l'économie en revenant sur le chômage en France notamment. Et on terminera par la partie santé environnement. On va reparler du nucléaire bien sûr. Et aussi des premiers bébés OGM qui sont nés aux États-Unis. Voilà, attachez vos ceintures et on y va. On attaque avec les infos internationales donc et Barack Obama en tournée en Europe à nos frais donc. Alors c'est vrai que ça va pas très fort pour lui aux États-Unis en ce moment parce qu'avec les écoutes de la NSA notamment et l'espionnage qui a eu lieu sur les travaux de la commission sur le renseignement dirigée par la sénatrice démocrate Diane Feinstein, des élus américains ont dénoncé les dérives totalitaires de l'administration Obama. Feinstein avait accusé la CIA devant le Sénat le 11 mars dernier de s'être introduite dans les ordinateurs des sénateurs enquêtant sur le programme de détention et de torture des personnes soupçonnées d'actes de terrorisme et d'avoir effacé des documents puis cherché à intimider des sénateurs. Le 13 mars, le député James Sensenbrenner, l'auteur du Patriot Act, voté par le Congrès au lendemain des attaques du 11 septembre 2001, et qui s'est depuis rallié à Edward Snowden pour dénoncer les dérives de la NSA, écrivait une lettre au ministre adjoint de la Justice, James Cole, dans laquelle il décrivait les accusations de Feinstein comme choquantes. Sensenbrenner a rappelé qu'il est explicitement interdit pour la CIA de s'engager dans toute activité de surveillance domestique, et que ces actes d'espionnage et d'intimidation sont une violation flagrante des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs. Et que ceci confère une image presque nixonienne à un gouvernement qui pense pouvoir agir en toute impunité derrière les rideaux. Le 12 mars, la dirigeante de la minorité à la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi, a souligné le courage de Weinstein pour s'être attaqué à la communauté du renseignement, non sans preuve, et quand je dis preuve, il s'agit d'une documentation détaillée des accusations qu'elle avance. Le représentant républicain Daryl Issa dirige la commission de la Chambre pour la surveillance et la réforme du gouvernement. Et lui aussi a également salué le courage de Feinstein, affirmant je cite, Je ne sais pas qui a donné les ordres, mais espionner les autres branches du gouvernement est de fait une violation de la Constitution. Au niveau des crimes et des délits graves, et il est certain que toute personne impliquée doit être expulsée de son poste. Voilà donc ça chauffe, ça chauffe pour les fesses de Barack Obama. Barack Obama qui continue ses discours sur la démocratie, et les droits de l'homme, la main sur le cœur, c'est très très pénible. Hein. Alors cette semaine, on a vu une vidéo tournée sur internet, d'ailleurs vous la voyez à l'écran, où on voit un sans missile fixe qui campait illégalement à Albuquerque se faire exécuter par la police. Alors on continue avec Obama, mais on parle de l'Irak. Alors bon, je vous le dis semaine après semaine, je vous donne des informations sur la situation de plus en plus chaotique dans laquelle vit l'Irak. Alors cette semaine, les membres de la commission électorale en Irak ont démissionné pour protester contre des ingérences politiques et judiciaires, plongeant dans la confusion totale les législatives prévues pour le 30 avril prochain dans le pays, là où les violences ont encore fait 37 morts. Mais bon, ça n'a pas empêché notre Barack Obama de légitimer l'intervention américaine en Irak dans une vidéo absolument hallucinante. Regardez. We did not claim or annex Iraq's territory. We did not grab its resources for our own gain. Instead, we ended our war and left Iraq to its people in a fully sovereign Iraqi state that can make decisions about its own future. On attaque maintenant le dossier ukrainien. Alors je vais vous donner toute une série d'informations qui se sont déroulées en une semaine et on en a beaucoup. Alors on commence avec des troupes russes Appuyé par des véhicules blindés qui ont pris le contrôle samedi dernier d'une base aérienne en Crimée en tirant en l'air avec des armes automatiques. Un véhicule blindé a forcé l'entrée de la base de Belbec près de Sébastopol et des hommes armés y sont entrés, bien équipés, visiblement très entraînés et en uniforme, suggérant l'appartenance aux troupes d'élite russes. Ils ont pointé leurs armes sur les soldats ukrainiens. Une ambulance est arrivée sur les lieux, sirène activée, elle est repartie peu après, sans qu'on sache vraiment si c'était un soldat ukrainien ou si c'était un journaliste qui avait été emmené. En tout cas, ensuite des hommes en tenue de camouflage euh, ont démonté les caméras qui diffusaient les images. Euh, et à ce moment-là, les soldats ukrainiens sur place ont alors entonné l'hymne ukrainien et crié gloire à l'Ukraine. Ensuite, on a appris que la Russie a massé près de 100 000 soldats le long de sa frontière avec l'Ukraine. C'est ce qu'a affirmé jeudi dernier le président du Conseil de sécurité nationale ukrainien. Un chiffre bien supérieur aux plus de 20 000 hommes évoqués par les États-Unis. On continue, on a vu apparaître une nouvelle vidéo cette semaine très intéressante avec un échange entre Mme Tymoshenko, ancien Premier ministre ukrainien, et M. Shifritch, qui est parlementaire ukrainien. Alors, c'est ce un document qui a fuité, bien évidemment, sur Internet, et on entend l'échange entre les, les deux personnages. Et Mme Tymoshenko, qu'on a vu sur la place Maïdan venir faire un grand discours, euh, eh bien, là, elle se vante de, de vouloir tuer du russe à coup de mitrailleuse et de balancer euh, l'arme nucléaire sur les Russes d'Ukraine. Regardez. этим Крымом, Рымом, я тебе скажу, я, конечно, в шоке. Я в шоке. Как я сегодня говорил с нашим знакомым, он чуть не плачет. Я говорю ему, а как мы сейчас будем... Я ну, сама скажу, я... готова сейчас брать автомат, понимаешь, и идти стрелять этому и... в лоб. Так, я вчера сказал, что если, не дай бог, возникнет военный конфликт, я выступал в свободе слова. Я говорю, если, не дай бог, возникнет военный конфликт, я офицер запаса, и мой старший сын офицер запаса. Мы возьмем оружие и пойдем защищать страну. Ну, я... Послушай, она ну тоже переходит все границы вообще. Блин, надо брать оружие в руки и идти мочить этих, блин, кацапов чертовых вместе с их руководителем. Я скажу тебе... Просто жалею, что я не могу сейчас находиться там, и что я не, не возглавляла все эти процессы, и они у меня Крым получили. Ну ты знаешь, я тоже, кстати, об этом подумал. Что если бы ты была на месте, было бы, может быть, этого бы не произошло. Хотя потенциала силового у нас не было. Но что-то они только, знаешь, причем что самое обидное. Я бы нашла, как замочить эти и а, я надеюсь, знаешь, что -то... я включу все свои связи, я подниму весь мир, как как только смогу, для того, чтобы, блин, просто от этой России не осталось даже выжженного поля. Но я тебе скажу, что я, конечно, тебе здесь союзник, не просто союзник. И э, я хочу тебе сказать, что вот мы сегодня говорили, а что, э, я это утром было совещание глав фракции, э, и потом я с Виктором говорю, Витя говорит, а что теперь делать оставшимся 8 миллионам русских, которые остались на территории Украины? Они же сгой. Блин, их расстреливать из атомного оружия. Смотри, ну, это, это, это я с тобой как бы, не могу спорить.

Eh bien, en tout cas, les BRICS, le Brésil, la Russie bien évidemment, mais enfin, le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, euh, elles sont restées solidaires avec la Russie, en rejetant toute sanction contre la Russie sur le dossier ukrainien donc. On continue et euh, un règlement de compte, on va dire, entre euh, les nouveaux euh, chefs d'Ukraine de, de, et les nationalistes, puisqu'on a appris cette semaine que Alexandre Mouzinko... Qui est responsable régional d'un mouvement d'extrême droite ukrainien Pravis Aktor a été tué lundi dernier lors d'une fusillade avec des policiers. Alors bon, la version officielle du ministère ukrainien de l'Intérieur, Ukrain c'est que apparemment Mudzinko aurait ouvert le feu en premier et euh, les policiers auraient riposté. En fait, euh, apparemment il s'avère que tout simplement le pouvoir ukrainien veut éliminer maintenant les nationalistes puisque eux ont fait la révolution, ont mené la révolution, ces nationalistes. Hein. Euh, on l'a vu sur les images, mais maintenant, évidemment, ils sont devenus gênants pour, pour l'oligarchie. Donc là, je pense qu'on va assister euh, à pas mal de règlements de compte entre euh, ces nationalistes et le pouvoir ukrainien. D'ailleurs, hier soir, c'était vendredi 27 mars, des nationalistes ukrainiens sont venus entourer le Parlement et ont menacé de donner l'assaut. Euh, si euh, les ministres ukrainiens ne démissionnaient pas. Donc là, c'est vraiment extrêmement chaud là-bas. Hein. Euh, on apprend également que le groupe Pravisector a décidé de se transformer en parti politique et de soutenir son chef de file qui s'appelle Dimitri Yarosh. Alors lui, on l'a déjà vu dans multiples vidéos, je vous ai déjà vous ai fait voir ses, 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 ses discours. Euh, donc voilà, et lui il veut se présenter comme candidat à la présidence de l'Ukraine. Euh, bah évidemment ça va être, ça va être extrêmement chaud c'est pourquoi il va y avoir des règlements de compte dans les, dans les semaines à venir. On continue avec la Transnistrie. Alors si vous ne savez pas où est la Transnistrie je vous invite à aller regarder une carte. Et puis je vous invite également une nouvelle fois à aller voir l'interview de M. Pascal Marchand euh, où il parle de la Transnistrie et de ce petit morceau de terre euh, où la Russie est présente. Alors le suprême commandeur de l'OTAN le général Philippe Bridlov a mis en garde la Russie contre toute tentative d'annexer la Transnistrie. Lors du référendum d'autodétermination de la Crimée, le ministre des Affaires étrangères de la République moldave de Transnistrie, Nina Shtansky, s'était félicité du résultat obtenu chez ses voisins et avait rappelé que la Transnistrie avait voté identiquement le 17 septembre 2006 pour adhérer à 97,2% à la Fédération de Russie. Le président du Parlement de Transnistrie, Mikhail Burla, a écrit à son homologue russe pour lui demander de faire adopter une loi d'adhésion de la Transnistrie à la Fédération russe sur le modèle de ce qui vient d'être fait en Crimée. Le président de la Moldavie, Nikolai Timovsky, a demandé à l'Union européenne d'accélérer la signature d'un accord d'association de manière à rendre irréversible l'appartenance juridique de la Transnistrie à son pays. On continue alors, euh, évidemment, euh, la Transnistrie demande de, euh, à faire pareil que la Crimée, mais on apprend également que Gaza, oui, Gaza, des Gazaouites proposent un référendum pour que la bande de Gaza soit russe, de manière à être protégée des agressions israéliennes. C'est incroyable ça, non alors d'ailleurs bon puisqu'on parle de ça, une petite parenthèse. Euh, d'ailleurs le rapporteur de l'ONU pour les territoires palestiniens, Richard Falk, a accusé vendredi dernier dans un rapport, il a accusé Israël de pratiquer une politique de nettoyage ethnique à Jérusalem-Est. Plus de 11 000 Palestiniens ont perdu le droit de résider à Jérusalem depuis 1996. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, je referme la parenthèse. On revient sur la Russie et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a affirmé que la France pourrait annuler les ventes de deux bateaux type Mistral aux Russes. Les Russes qui ont mis en garde la France car ils ont déjà versé plus de 600 millions d'euros pour ces deux bateaux. Alors en même temps, les Russes ont annoncé que s'ils y étaient poussés, ils construiraient eux-mêmes ces bateaux. Enfin, c'est vrai qu'économiquement, pour la France, je pense qu'on peut, peut se le permettre hein, aujourd'hui. Hein. On a tout à y gagner euh, à faire cela. Ça, ça c'est évidemment pour l'emploi, etc. De toute façon, on va en reparler un petit peu du chômage un peu plus tard. On continue et on va parler du plan de sauvetage euh, du FMI. Pour l'Ukraine, puisque Kiev va recevoir entre 14 et 18 milliards de dollars du FMI. En échange, l'entreprise publique Naftogaz a annoncé une augmentation de 50% des prix du gaz à partir du 1er mai. Les salaires et les retraites des fonctionnaires seront gelés en Ukraine. Et la ligne du crédit du FMI qui sera déboursée par tranche, âprement négociée, devrait permettre de débloquer à terme 27 milliards de dollars sur deux ans. Le gouvernement ukrainien a décidé également de limoger 10% des fonctionnaires du pouvoir exécutif du pays dans le cadre d'un programme de réduction des dépenses publiques. Voilà ce qu'a annoncé à Kiev jeudi dernier le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk. Voilà donc on va dire aux, aux Ukrainiens on va leur dire bienvenue dans l'Union européenne. Euh, alors évidemment. Euh, comme la Russie est, la, est le principal fournisseur de gaz à l'Europe, et qu'on prend des sanctions économiques assez fortes envers la Russie, et donc il va y avoir forcément des rétorsions de la part des Russes, eh bien Obama s'est dit prêt à livrer du gaz américain à l'Union européenne. Le président américain a laissé prévoir davantage de livraisons de gaz américain afin de casser l'encombrante domination du fournisseur russe dans l'Union européenne. Je cite, la question de l'énergie est centrale a expliqué le chef de la Maison Blanche à l'issue d'un sommet de 90 minutes avec les présidents européens Herman Van Rompuy et José Manuel Barroso. L'Europe doit trouver comment diversifier son approvisionnement et les États-Unis, eux, ont la chance d'être richement dotés. Accélérer le mouvement serait bon pour l'Union européenne, pour l'Amérique, mais cela ne sera se pas du jour au lendemain. Mais c'est maintenant qu'il faut agir dans l'urgence. Voilà, donc en fait, on a compris la stratégie américaine. Hein, on ne va plus dépendre de la Russie, mais des Américains. Je ne sais pas si c'est vraiment un mal pour un bien. On est parti maintenant pour un petit tour du Moyen-Orient et de l'Afrique. Alors on va commencer par l'Iran, puisqu'il apparaîtrait que l'Iran est en train de construire une réplique grandeur nature d'un porte-avions américain de classe Nimitz. Voilà ce qu'a annoncé samedi dernier la chaîne de télévision CNN. Le renseignement américain... A obtenu des photos de la réplique en construction transmise par des satellites. Cependant, les spécialistes américains ne croient pas que l'Iran soit en mesure de mettre à l'eau un bâtiment de cette classe. On parle de la Libye maintenant, la Libye, trois ans après, un pays à l'abandon. Les investissements sont au point mort, la vie économique vitrifiée. Dans les grandes villes, l'insécurité atteint des records. Il n'y a plus de ministre de l'Intérieur. Les milices et les bandes armées tiennent la rue, cocktail de grand banditisme et d'islamistes. Ironie amère de l'histoire, Londres, Paris et Washington déconseillent à leurs ressortissants de se rendre en Libye. L'un des meilleurs spécialistes du Proche-Orient, le journaliste Patrick Cockburn, écrit dans The Independent, je cite, L'un des traits les plus stupéfiants des événements de Libye aujourd'hui est le peu d'intérêt qu'il suscite de la part de ces pays qui partirent si allègrement en guerre en 2011. Fin de citation. Selon Human Rights Watch, des milices retiennent quelques 8000 personnes dans les prisons, où la torture serait routinière. Ces milices s'affrontent volontiers les unes les autres et cette bataille prend chaque jour davantage l'allure d'un conflit destiné, in fine, à séparer l'est de l'ouest du pays. On continue avec la Syrie et la Turquie et un document qui a fuité sur internet. Alors après les documents euh, ukrainiens, on a aussi des documents turcs, et puisque une vidéo est apparue sur YouTube dans laquelle quatre officiels turcs discutent de la préparation d'un plan d'invasion de la Syrie. On y entend notamment Ahmet Davutoglu, ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, responsable des services secrets turcs, Feridun Sinilioglu, sous-secrétaire du ministre des Affaires étrangères, et Yazar Guler, un général de l'armée. Alors du coup, avec cette fuite, le, le, la Turquie a bloqué l'accès à YouTube dans tout le pays, ainsi que Twitter. Pour le ministre des Affaires étrangères Ahmet Davutoglu, cette fuite constitue une claire déclaration de guerre, et la Turquie répondra de la manière la plus adéquate à ce qu'il a appelé une attaque contre l'avenir et la stabilité de la Turquie, promettant de punir sévèrement ses auteurs qu'il n'a pas nommés. On passe à l'Égypte maintenant, et une information qui est passée totalement inaperçue dans les médias, car plus de 500 partisans du président islamiste Mohamed Morsi, destitués par l'armée, ont été condamnés à mort en première instance, pour des violences commises durant l'été, à l'issue d'un procès expéditif sur fond de sanglante répression des islamistes en Égypte. Sur ces 529 personnes condamnées à la peine capitale lors de la seconde audience de ce procès ouvert à al minya au sud du Caire, seuls 153 sont en détention, les autres étant en fuite. 17 des accusés ont été acquittés, alors que près de 700 autres personnes, dont des cadres des frères musulmans, doivent comparaître pour répondre de violences également survenues le 14 août dernier. On passe à la Centrafrique maintenant, où une quinzaine de personnes ont été tuées ces derniers jours dans la capitale centrafricaine. Un an tout juste après la prise de pouvoir de la coalition Seleka, l'instabilité persiste sur fond d'affrontements sectaires entre chrétiens et musulmans. Depuis lundi dernier, un important dispositif de forces internationales françaises et africaines a été déployé en ville. Un petit mot également sur le Mali, qui n'intéresse apparemment plus personne, et plus les médias en tout cas. Un reportage est apparu ces derniers jours. Ce reportage s'appelle 365 jours au Mali, où un franco-malien, présent donc un an au Mali, a filmé tout ce qui s'est passé avant l'intervention française. Ce document qui est vraiment extrêmement intéressant. Évidemment, je vous mets le lien sous cette vidéo. On termine ces infos internationales avec le Venezuela, où trois généraux de l'armée de l'air ont été accusés de conspiration et ont été arrêtés. Voilà ce qu'a annoncé euh, le président Nicolas Maduro. Les trois hommes ont été présentés devant un tribunal militaire, selon le président. Celui-ci a ajouté que la tentative de coup d'État avait été découverte grâce à la conscience d'officiers venus dénoncer un appel à prendre les armes. L'enquête a établi leur lien avec euh, un certain secteur de l'opposition. Le président a déclaré que les troubles organisés par l'opposition avaient déjà fait 35 morts. Et je cite, la responsabilité pour chacun d'entre eux incombe aux organisateurs des protestations. On attaque la partie économie et on va parler du chômage, comme promis. Alors les chiffres du chômage pour février sont pas bons du tout. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 31 500. Officiellement, la France compte 3 347 700 demandeurs d'emploi. Alors je rappelle que Michel Sapin avait déclaré le 27 décembre 2013, je cite, les chiffres du chômage, au moins le mois, ça baisse puis ça monte. Ce qui compte, c'est comment ça bouge. Et la tendance est une tendance à la baisse. Et là, c'est le 27 mars dernier, il a déclaré, je cite, Les chiffres du chômage vont dans la mauvaise direction. Donc maintenant, si on regarde les vrais chiffres du chômage, si on se fie à l'organisation d'ARES, l'organisation d'ARES, c'est Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Les chômeurs de catégorie A sont de 3 347 700 soit plus 0,09% ce mois-ci et plus 4,7% sur un an. Les chômeurs de catégorie B, ce sont les travailleurs pauvres, sont de 643 500, moins 0,7% ce mois-ci, mais plus 2,8% sur un an. Les chômeurs de catégorie C, c'est-à-dire les travailleurs pauvres de plus de 78 heures, euh, sont de 946 600 soit moins 2% ce mois-ci, mais plus 6,5% sur un an. Les chômeurs de catégorie D sont de 283 500, plus 0,8% ce mois-ci et plus 8,7% sur un an. Et les chômeurs de catégorie E, sont les contrats aidés, sont de 390 400, euh, plus 1% ce mois-ci et plus 11,6% sur un an. Voilà, donc au total, on arrive à un chiffre de 5 611 700 demandeurs d'emploi hors dom-tom, soit 5,4% de plus sur un an soit plus 14 000 chômeurs par rapport à janvier. Et si on prend les DOM-DOM compris, on arrive à un chiffre total de 6 42 100 chômeurs. Toujours en France, alors vous n'avez sans doute pas raté la visite du président chinois en France, à Lyon et à Paris, avec à la clé 50 commandes chinoises d'une valeur de 18 milliards d'euros. Alors ça, ça valait vraiment le coup de bloquer les deux villes pendant une journée entière. Hein. Alors à titre d'information, la Chine possède maintenant près de 1% du vignoble bordelais, ce qui représente environ 80 châteaux. On parle maintenant de la manifestation qui s'est déroulée la semaine dernière en Espagne, où près de 2 millions de manifestants ont battu le pavé euh, à Madrid. Alors ils ont battu le pavé pour protester contre l'austérité, bien sûr, et la politique du gouvernement espagnol, selon les médias. Alors ça, ça a été du jamais vu, ça a été une journée historique qui ne va pas s'achever le 22 mars. Voilà ce qu'a clamé le cortège. Beaucoup avaient prévu de rester à Madrid et de camper, euh, de provoquer des assemblées générales et des opérations symboliques, comme faire le siège de la Bourse par exemple. Voilà les manifestations qui ont quand même finalement tourné à l'affrontement. On a vu plusieurs vidéos, d'ailleurs vous le voyez sur l'écran, euh, des affrontements dans le centre de Madrid. Étonnamment, pas un mot dans les médias en France. On attaque la partie santé environnement maintenant et on démarre avec le nucléaire et Fukushima où le système de dépollution de l'eau contaminée de la centrale donc a été partiellement remis en marche le 24 mars dernier. Il était à l'arrêt depuis une semaine à cause d'un problème technique. Mais bon ça c'était la, la bonne nouvelle du jour mais malheureusement le lendemain eh bien patatrac le système est retombé en panne donc on va continuer de renvoyer de l'eau contaminée dans le Pacifique. Un petit mot maintenant sur le site d'enfouissement des déchets nucléaires au Nouveau-Mexique dont je vous parlais la semaine dernière. Alors l'agence InfoLibre a mis un article explicatif complet sur le sujet en ligne sur notre site. Vous pouvez aller voir. Sachez que les Américains envisagent d'envoyer des salariés au fond de ce site pour en reprendre le contrôle. Donc euh, je plains ces salariés qui vont descendre tout en bas là-bas. Ils vont se prendre une sacrée dose de nucléides en plein dans le nez. Et puis pour être complet sur le sujet, un autre site d'enfouissement de déchets nucléaires aux États-Unis, celui-là à Hanford, le long du fleuve Columbia, au sud de l'État de Washington, lui aussi crache des vapeurs radioactives. Ces six derniers jours, onze personnes qui travaillaient sur le site ont été intoxiquées par ces vapeurs. Une toute autre information, puisqu'on a appris qu'un groupe de scientifiques a mis au point une technologie qui permet de contrôler le cerveau des mouches à l'aide d'un laser. Alors ça vous allez me dire... C'est une information qui n'est pas forcément euh, très intéressante, pas forcément capitale. Mais bon, je vous laisse imaginer quelles sont les possibilités si on arrive à contrôler les insectes. Hein. Ça pourrait devenir de véritables armes. Donc euh, c'est quand même une information à prendre avec euh, beaucoup d'intérêt. On parle maintenant d'un tout autre projet qui s'appelle Stratobuse, un projet de dirigeable autonome entre le drone et le satellite. Alors ça, c'est un projet qui a été développé par Thales Alania Space. Euh, donc c'est un dirigeable autonome évoluant juste au-dessus du trafic aérien à 20 km d'altitude. Cet engin, à mi-chemin entre le drone et le satellite, sera capable d'effectuer par exemple des missions d'observation et de télécommunication pendant 5 ans d'affilée sans se reposer. Le premier prototype devrait voir le jour d'ici 2020. On reparle des abeilles et du cri d'alarme du monde apicole contre un nouvel insecticide qui s'appelle le lusindo. Alors, UNIS, le syndicat des apiculteurs de la Gironde et d'Aquitaine, le rucher du Périgord, le syndicat apicole de la Gironde, l'abeille landaise, l'abeille gascogne, euh, l'abeille périgourdine, eh bien, ils viennent tous d'envoyer une lettre ouverte aux présidents et gestionnaires d'organisations professionnelles, de syndicats ou d'associations viticoles, ainsi que des viticulteurs, afin de les informer contre l'utilisation du luzin d'eau, nouvellement autorisé sur le marché cet insecticide larvicide et adulticide destiné à lutter contre la cicadelle euh, de la flavescence dorée ainsi que la metcalpha ou les vers de la grappe est à base de thiaméthoxame et de chlorantraniliprole le thiaméthoxame est un néonicotinoïde dont la très forte toxicité à l'égard des abeilles est reconnue ce qui lui a valu d'être interdit récemment par la commission européenne sur les cultures de colza maïs tournesol et coton pour breuve, la fiche technique du fabricant indique « dangereux pour les abeilles ». Voilà ce qu'a expliqué Frédéric Wielinski. Je continue de citer Frédéric Wielinski. « Même si les abeilles ne butinent pas les vignes, le danger est la dérive du produit sous l'effet du vent ou de la pression des pulvérisateurs. Le produit atteindra donc les adventices fleuries dans les rangs entre les ceps les fleurs voisines, les points d'eau où s'abreuvent les abeilles. » mais également tous les sites visités ou occupés par la faune auxiliaire utile à la viticulture. D'autre part, le thiamétoxam est un produit rémanent dans le sol même longtemps après le traitement et provoque des ravages sur les ruches lorsque les adventices repoussent au même endroit. On parle de la pollution de l'air maintenant puisqu'elle a fait près de 7 millions de morts en 2012. La pollution de l'air est clairement devenue le principal risque environnemental de santé dans le monde, voilà ce qu'a déclaré le docteur Maria Nera, directrice du département santé publique à l'OMS depuis Genève, où était présentée cette étude de l'Organisation internationale. Ces 7 millions de morts en 2012, notamment en Chine et en Inde, représentent 12,5% des décès dans le monde, soit un mort sur 8. L'Inde est parmi les pays qui souffrent le plus de cette pollution, surtout les femmes et les enfants, en raison des formes de cuisson traditionnelles et des feux ouverts utilisant du bois de charbon. Il y a eu en 2012, selon l'ONU, 1,7 million de décès prématurés en raison de la pollution intérieure en Asie, avec l'Inde en première ligne. Je cite, la plupart de ces décès prématurés ont été provoqués par des maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiaques, des attaques, des maladies pulmonaires indique l'oms qui indique que la pollution intérieure je cite est aussi responsable d'un nombre important de malades pulmonaires graves chez les jeunes enfants pour l'oms en inde je cite beaucoup de femmes ne réalisent pas que la fumée émise par les fours traditionnels en briques ou en argile appelés chula mettent leur vie et celle de leur famille en danger elles utilisent pour chauffer leurs fours un mélange de bois de charbon de résidus de récolte et de bousses de vache dont les fumées contiennent beaucoup de dangereux polluants Tels que les particules fines et du monoxyde de carbone. On termine cette vidéo avec ces premiers bébés génétiquement modifiés qui sont nés aux États-Unis. 15 enfants sont nés au cours des trois dernières années suite à un programme expérimental à l'Institut de médecine de la reproduction et de la science de Saint Barnabas dans le New Jersey. Les bébés sont nés de femmes qui ont eu des problèmes pour en concevoir naturellement. Des gènes supplémentaires provenant d'un donneur féminin ont été insérés dans leurs œufs afin d'être fécondés dans le but de les aider. Altérer le génome humain est pourtant une technique rejetée par plus, la plus grande majorité des scientifiques dans le monde. Donc voilà, on n'affranchit le pas des bébés génétiquement modifiés. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vous remercie pour votre soutien toujours plus grandissant. Je vous remercie également tous ceux qui m'envoient des informations tout au long de la semaine. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Euh, une nouvelle vidéo des infos dont on parle peu, à moins que je donne la priorité à la couverture de la manifestation Jour de colère de Lyon, puisque je serai certainement sur place. Bon, peut-être que je serai capable de faire les deux, on verra ça. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de visiter la page Facebook, n'oubliez pas de visiter le site internet de l'agence Infolibre, agenceinfolibre.fr. N'oubliez pas de visiter la chaîne YouTube, où on met euh, à peu près euh, une dizaine de vidéos euh, en ligne par semaine. Donc, euh, n'oubliez pas d'aller visiter ça. Le Twitter de l'agence Infolibre, bien sûr, le live stream. Voilà, restez bien informés. À la semaine prochaine. Ciao